soir, merci d'être là. Il y a des films qui sont plus bouleversants que d'autres. Celui-là en fait partie dans ma carrière. Je suis ravie de vous présenter ce film ce soir. Ça a été un tournage très riche en émotions. Le film parlera de lui-même tout seul. Je vous souhaite une belle projection pleine de grandes émotions. Merci. Merci. Pour ma part, je voulais remercier mon groupe de camarades de jeu qui m'ont bien aidé, bien entouré, notre producteur, notre réalisateur, évidemment TF1 qui permet de faire ce genre de projet très ambitieux et très spécial. Voilà, donc moi, je suis un peu différent d'habitude pour ceux qui me connaissent un peu. J'espère que ça va vous choquer, ça veut dire que j'aurai bien fait mon travail. En tout cas, ce qui est important pour nous, en plus d'essayer de bien faire sur ce sujet, c'est de porter le message et de dire à ceux qui sont dans l'ombre, voilà, qu'ils ont une oreille, qu'ils ont une écoute quelque part pour essayer de sortir du calvaire. Voilà. Merci d'être là en tout cas et bonne soirée. C'est pas facile de parler de l'année parce que tout a été dit avant. On dit tiens, je vais dire ça, il le dit. Tiens, je vais dire ça, il le dit. Voilà, je remercierai Jean Bernard de nous avoir réunis et Claude Michel de Rome de nous avoir dirigés dans ce film parce que je n'avais jamais eu la chance de tourner ni avec Odile, ni avec Fred, ni avec Marc, ni avec Lolita, ni avec Mickey. Et voilà, se retrouver comme ça des acteurs, on a 25 jours, je ne sais pas combien de temps on a tourné, sur des choses aussi fortes, aussi émotionnellement difficiles. On n'a pas le temps de faire connaissance, on fait connaissance dans le travail, et quand on sait qu'en plus on raconte une histoire vraie, il y a quelque chose d'assez différent effectivement quand on tourne, quand on a tourné ce film. C'est pour ça qu'on est là ce soir et qu'on est très, très ému avant même que vous le voyez. Voilà. Merci beaucoup.